Bonjour, bienvenue sur Sparetta YouTube. Nous sommes sur l'univers électroménager avec le Samsung aspirateur Samsung Cyclone Force. Nous allons regarder un peu le fonctionnement de cette brosse et comment changer la turbo-brosse qui est à l'intérieur. C'est très simple, quand on regarde cette brosse ici, vous avez deux petits loquets avec le cadenas fermé et le cadenas ouvert. Donc on va pousser ces deux loquets sur le cadenas ouvert. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir retirer ici, en tirant dessus, le support, le petit capot plexi et plexiglas. Et là, on va avoir accès à la petite brosse. Donc pour la retirer, on passe avec le doigt en dessous, on la soulève d'un côté, puis là, on a une courroie, donc on soulève et on déconnecte la courroie. Voilà, et là, on peut retirer la brosse. Pour la remettre, facile. Du côté de la courroie ici, la courroie est crantée, elle vient se mettre dans les plots ici. Donc je vais aller mettre d'abord ce côté-ci en mettant légèrement en biais. Et puis j'ai le petit carré ici qui va se placer voilà ici à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir de même la replacer de l'autre côté. Voilà, là elle est en place, elle tourne. On fait tourner quelques tours pour voir si la courroie est bien en place, c'est le cas. Donc ça c'est pas un problème. Et puis ensuite, je vais remettre mon petit capot. Donc je remets mon capot par-dessus. Voilà. Et puis j'ai mes deux petits loquets qui sont du côté ouvert. Je les pousse du côté fermé. Et ma brosse est fonctionnelle. Donc je vais vérifier qu'elle fonctionne. Ça fonctionne bien. Je vais ralentir. Pour voir si elle fonctionne aussi à basse vitesse. Elle fonctionne aussi, voilà, mais la turbo brosse est efficace qu'à haute vitesse, donc attention quand vous le lancez, mettez-le à haute vitesse, là, elle ne s'arrête pas, elle est vraiment efficace. Nous vous avons montré comment changer le rouleau de votre turbo brosse Samsung. On espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce pour dire que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à poser vos questions techniques ou d'utilisation, soit sur l'aspirateur, soit sur les brosses. Nous ne manquerons pas d'y répondre rapidement. Et puis, à la fin de la vidéo, le petit encart abonnez-vous pour vous abonner à la chaîne Sparetta YouTube pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sont publiées, une vidéo par jour. A bientôt sur Sparetta YouTube.